Oh yo. Alors, aujourd'hui, on part pour la finale nationale du Natathlon qui regroupe les meilleurs nageurs français 12, 13, 14 ans pour les messieurs et 11, 12, 13 pour les demoiselles. Donc là, je vais aller rejoindre Rémi, on va aller en tram et on va à la gare direction Massy. Ça va, Rémi? C'est un mois Ça de va. juillet, Salut. fin juin, début Salut. juillet, Salut. mouvementé. Ouais. Sur la route, Tous les t'as week-ends. Tous les week-ends. Avant la compète, hein. On est à J-1, la veille de la compétition. Qu'est-ce que ça mange un bon sportif, Rémi? Des pâtes et des fruits. Mais qu'est-ce que tu vas prendre là? Bah, des pâtes et des fruits. Il n'y a plus ça là. Plus de fromage blanc. Oh, il n'y a plus de protéines. Ah là là. Pas plus Je vais m'en de shape. remettre. Les bras machin là. Alors voyons voir ce que Rémi a mis dans son assiette. Des œufs, jambon et pâtes, et fromage blanc avec des fruits avec un petit peu de spéculoos. Non, c'est pas vrai. J'ai dû me cacher avant. Pour mettre le spéculoos, après les fruits. Ouais, il faut le cacher, pas dans le bon ordre là. J'avais pas tout calculé. Bah, bon appétit. Ah ouais. Merci, ça c'est le premier repas. Allez, tu vas voir. Donc voilà, la compétition est terminée, donc on a passé 3 jours à Massy. Donc Rémi, quelles sont tes impressions du week-end? C'est passé très très vite. J'ai fait quelques performances sur deux nages, le 52 et le 200 nages libres. Après, les autres nages étaient un peu plus compliqués, surtout sur le 100 dos où j'ai fait le contre-pair. Alors, au niveau du logement, Rémi, c'était comment? On a bien dormi. C'était pas trop petit, pas trop grand, donc c'était bien. Et la restauration? Bah, on avait un bon cuistot. Yaf, il regarde. on a eu un bon cuistot qui nous a fait des bons petits plats. Entre guillemets. Donc voici où on est installé. Petite terrasse. Petit lit. Petite cuisine, un musclore qui n'est pas musclé. Le petit lit à Christophe.
Et pour faire des gros caca, les toilettes, exprès pour Rémi. Ok, donc on va faire par étapes. Donc on est arrivé jeudi à la piscine de Massy. Donc ça y est, là on est arrivé à la piscine de Pierre Coubertin à Massy. Donc première échauffement juste pour faire trempette avec les 37 degrés qu'il fait dehors, ça fera pas de mal. Donc on y va Rémi? Ouais. Allez, c'est parti. Bien Rémi, on enlève ces petits panneaux. De là à là. On s'est connus dans le quartier. Très vite, on s'est kiffé. Ça va? Ah, ouais. On avait tout pour décoller. Tout était assuré. Ton arrivée, raconte-nous un petit peu ton arrivée à la piscine de Massy. Donc, on est arrivé à la piscine de Massy, donc piscine très grande quand même. Il y a combien de bassins à Massy? Il y en a trois. Un de récup, un bassin de 25, un bassin de 50 et un bassin de pour jouer ou des trucs comme ça. Donc on a fait l'échauffement à sec, donc des pompes, etc. L'échauffement dans l'eau, et ensuite on a fait des sensations. Ouais, t'étais comment du coup? J'ai dit, t'étais bien dans l'eau, Moi j'étais t'avais bonnes très bien, sensations? des bonnes sensations, sauf pas trop de jambes, les jambes un peu cassées. Bon, après le voyage, c'est un peu normal. Și ca un hoț ai intrat sub pielea mea. Știi de-o vreme fetele, fetele cochetele, nu mai pot da cu da sub pielea mea. Și știi, eu te rog să nu faci prostii. Eu nu-s prost, dar mă tem cumva. Là, tu pars, tu vas faire 300 mètres. Tu fais 50 mètres en crawl, 50 mètres en dos. Tu le fais une fois en nage complète, une fois en jambes, une fois en bras. Derrière, on fait 3 fois 100 mètres, 75 progressifs, 25 souples. Tu le fais pareil, une fois en nage complète, une fois en jambes, une fois en bras. Ça marche, tu me les feras en crawl. Y va, c'est parti. Jour 1 avant la compétition, donc là on arrive au vendredi. Donc vendredi, après l'échauffement, qu'est-ce qui s'est passé, Rémi? Ma première récompense nationale, donc deuxième par rapport au classement du natathlon, donc qui s'est déroulé pendant toute l'année sur quatre plots.
Voilà, il y avait quatre épreuves. Sur les quatre épreuves, il fallait cumuler le meilleur nombre de points possible sur 10 épreuves. On pouvait en nager plus, mais on retenait les 10 meilleures épreuves. Et au classement cumulé, voilà, t'as terminé deuxième. Combien de points exactement? 10 570 points. T'es sûr? Oh non. Si, je crois que c'est sûr. C'est signé. Et premier, Yann, premier Corail, c'est celui en cours, en 1635. En PLS. Merci, messieurs. Vendredi, après les récompenses, 100 mètres papillon, première course du week-end. Raconte-nous un petit peu. Alors, on va regarder ton 100 mètres papillon et on en discute après. Je te remets ton centre map. Oh, quel athlète! Donc, retour du sans papillon, Rémi. Tes impressions après la course, Alors, tes sensations? un temps assez moyen quand Ouais, même. c'est ton meilleur temps. Ouais, mais c'est un temps moyen. Quand même, j'ai fait encore plus de, pas mon petit bain. J'ai fait une reprise de nage un peu sous l'eau. Je suis passé pour le premier 50, je suis passé un peu à travers les appuis. Ouais, t'aurais pu passer un petit peu plus vite. Ouais, et après sur le deuxième 50, je sais pas ce que j'ai fait, je suis passé en 3-1 et ça m'a un peu freiné quand même. Après, je dois toucher en avant-dernière position de ma série. Bon, ce qui n'est pas super super. Donc au moins au classement général. Sympa. Deuxième. Donc après le 100 mètres pape le matin, du coup l'après-midi, 200 mètres donc nage 200 libre. mètres nage libre. Donc 200 mètres nage libre.
59 devant. Il est du bon côté. Il est du bon côté pour respirer. Deux snatchs, une grosse nage, une grosse course. Ouais. Donc premier jusqu'à 175. Derrière, à côté, ça revient très fort. Ouais. Du coup, qu'est-ce que tu as pensé de ta course là? Qu'est-ce que tu as ressenti? Comment tu l'as vécu? Je suis bien parti. Je l'ai senti ça. Après, troisième 50, j'ai essayé de relancer pour pas qu'il remonte à gauche parce que je savais qu'il revenait très fort. Dernier 50, je vois qu'il remonte petit à petit, 75 mètres, il mange et après je vois plus. Bon, c'est un beau 200 quand même, hein. Ouais. T'es parti, t'as essayé, ça tue 175, derrière, bon, t'es un petit peu plus fort. Ouais. Il est revenu 29 sur le dernier 50. 29, ça fait mal. Ouais. Ça fait très très mal. Bon, en tout cas, très beau 200. Ouais. Très belle course, 2-0-2. Crache pas dessus. Hein. Ouais, c'est vrai. Allez, on change de journée, donc là on a fini pour le vendredi, on passe au samedi, deuxième journée, donc samedi on commence par le 50 mètres papillon. Bon, 50 pop. Un temps moyen. J'ai beaucoup mouliné quand même. J'aurais dû respirer un peu plus de fois sur le 50. Bon, ouais. Semaine avant, tu fais 27-8 vent de face à Montélimar. Et puis là, on arrive semaine après 28. Bon, un peu moins bien. Ah, ça mouline beaucoup. Bon, encore plein de choses à corriger, c'est pas grave. Oui. On ça continue la journée. Sens. L'après-midi, 50 d'eau. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, tu as l'un des meilleurs départs, une des meilleures foulées. C'est ta course, hein, c'est maintenant, hein, si on s'entraîne toute l'année. C'est pour ce genre de moment. Hein. Le genre de moment, il faut les gagner. Ok? Donc on y va là. Marche? On va faire un beau départ, belle foulée. Je commence par des grandes, et après je fais d'ici après. Finis bien sur les battements pour sortir. Fixe la tête, on tourne les bras. Et on va casser le mur. Et on va chercher la première place. J'espère. Ouais, j'espère, c'est que tu vas le faire. Ouais. J'espère qu'on va les taper là, je vais voir les premiers. On est là pour ça. Et 50, il est pour toi. Hein. C'est le tien, hein. C'est ta course. Le 100 aussi, j'espère. Bah, le 100, on verra ça. Pour l'instant, c'est le 50. Allez, à tout à l'heure. Ouais, à tout à l'heure. Donc, 50 mètres d'eau. Donc là, on a droit à... au nouveau départ en dos. Ouais. Alors, c'est bien, c'est ouais, bien. C'est très bien, ça fait des meilleurs départs, donc ça gagne du temps, puisqu'on pousse plus vers l'arrière. L'avant. Ouais, vers l'arrière. Donc ça permet de rentrer plus vite dans l'eau et faire une meilleure coulée. Meilleure coulée, t'es ouais. Sûr. Enfin, pour ceux qui sont bons en coulée. Donc là, 50 d'eau, bon, en coulée, on sort un petit peu derrière, par contre, derrière, ça revient et là. Il manque pas grand chose. Ouais, donc deuxième sur le 50 d'eau à quelques centièmes. Ouais. À 30 centièmes, je crois. Un peu moins. Peut-être moins. 20 centièmes. À 20 centièmes. Ça a l'air. À pas grand chose. Hein. Deuxième sur le 50 d'eau. Donc très belle course. Dommage qu'on sort un petit peu derrière sur un nage beaucoup plus rapide. De bon augure pour le 100 d'eau. Normalement, on verra ça tout à l'heure. Ah. Donc on enchaîne sur le 100 mètres nage libre hein, qui était juste derrière, hein, même pas une heure derrière. Donc, 100 mètres nage libre. Allez, on y! Allez, on y! On descend!
Donc, petit 100 livres après le 52, donc après une bonne course du 52, 100 livres Moyen temps, même pas mon record. Je pars un peu trop vite pour moi. Enfin, d'habitude, je pars 28, je reviens 28, là je suis parti 20, un petit 27 et je reviens gros. Le retour un peu dur. Je me suis un peu écouté quand même. Ouais, je pense que t'es un petit peu écouté sur la fin. Là ça se bat plus, hein. Tu les vois devant, derrière, et puis à la fin, ça va pas chercher la plaque quoi. Ouais. Ça fait un petit 57. C'est pas super, super. Mais c'est pas extraordinaire. C'est pas bon. On peut faire mieux. Ouais, on peut faire mieux. Donc là, on a fini pour samedi et il nous reste une journée avec deux courses. Hein. On a décidé de ne pas faire le 204 qui était juste avant le 100 d'eau, de privilégier que le 100 mètres d'eau. Donc du coup, au lieu d'avoir trois courses, on n'en a plus que deux. On commence le dimanche matin avec le 400 mètres nage libre. Et je pense que c'était pas le côté, il accélérait pas à la fin. Non. Ah ouais? Bon, regarde, là il voit, c'est il accélère. Ah, bon, attendu, sans respirer, tu le fais sur le 400 et pas sur le 100. Dans le 400 agile, bon, tu nous fais tomber 6 secondes, après la course. Mais pas top top. On peut s'attendre à mieux pour quelqu'un qui nage de 2. 4,25, 4,20, c'est accessible quoi. Ouais, large. 4,19. Donc là sur la course, premier 100 mètres. Facile, je passe première 1-2 ou deuxième. Deuxième 100 mètres, je suis bien, sauf que j'enlève un peu de jambes. Il commence à remonter au 175, comme ça. Donc au 200 mètres, on passe ensemble et après bah, il me décroche sur deuxième. Ouais, 200. Tu te laisses passer, tu t'accroches pas le wagon. C'était un peu dur. Mais je pouvais faire mieux quand même. Bon, c'est quand même une bonne course, ça améliore 10 secondes. Même si on pouvait s'attendre à mieux après le 200 de vendredi. Ouais, c'est vrai. Bon, je me tombe 10 secondes. La course, elle est pas dégueulasse. T'as mené le train au début, t'as pas réussi à accrocher le wagon. Voilà. C'est de l'expérience. Ouais. Pour les prochaines compétitions. Donc, dernière course. On va dire là où tu avais le plus de chances de terminer premier et d'aller chercher la qualif cet été pour les France 16 ans et moins, mais on a 14. Donc on a tout misé sur le 100 en. Allez,
Voilà, 100 mètres d'eau, riz, vernis. Contre-perf. Contre-perf, ouais, on est à plus 1, tant qu'on avait fait à Besançon à la SFR. Donc, explication Rémi. Je sais pas du tout ce qui a manqué. Pas de fatigue, ça c'est sûr, parce que j'ai pas beaucoup nagé ce week-end. Stress? Même pas, je pense pas. Pas de départ, pas de pression? Non, bah il y avait pas trop de jambes dans 100 mètres. Les coulées, limite. La deuxième, il y en avait même pas. Ouais, il y en avait pas. Moi, je sais pas du tout ce qui a manqué, mais bon, c'est comme ça, c'est le sport. Bah, après la prochaine 50 fois. Super 50 dos, un super 200 libres, vous pouvez s'attendre. Un super 100 dos, bon, c'est passé à côté, ça arrive, c'est pas grave. Ouais, c'est ma. Bon, bah, je voulais faire être bon, bah, je suis pas bon, mais c'est pas grave. Mais ça dans le sac de l'expérience? Oui, mais c'est dans le sac de l'expérience, et puis on fera mieux la prochaine fois. Donc, eh ben, le week-end il est terminé. Terminé quand même sur une bonne note. Deuxième au classement national du natathlon, hein, qui regroupe les 10 épreuves. Donc, deuxième sur l'ensemble de toutes les courses. On choisit les 10 meilleurs pour faire le total de points. Deuxième, ça récompense ta régularité tout au long de la saison. Ta polyvalence, tu n'es pas un spécialiste sur une nage, tu es polyvalent sur toutes les nages. Donc, ça, c'est un gros plus. Et félicitations, Rémi, car c'est une belle récompense. Merci. Merci à toi pour les entraînements, surtout. Bah, c'est grâce à toi que je suis là. C'est toi qui nages, pas moi. Ouais, mais c'est toi qui entraîne, c'est pas moi. Donc voilà. Bon, bah, bonnes vacances, Rémi. Et bah, merci toi aussi. Salut. Salut. Oh. Il a failli nous pourrir la vidéo, le. Changement pour direction de Grenoble à 9h44, voie F. 9h44, voie F. 9h44, voie F. 9h44. Magie, changement de décor, on a changé de train. Montre-nous ta jolie médaille. Hein. Voilà. Ma première médaille nationale. Elle est lourde, hein? Elle est lourde. Tu veux pas la mordre? Non, casser une dent? Non, c'est bon, j'ai déjà assez de casser comme ça. Non, mais voilà, c'est vrai, tu fais les vrais.